trouve pour la chasse de la hyène Crocota. Donc, elle se trouve exactement ici, sur l'île. Ah, l'île de Cifer. Cithère, pardon. Donc, on est totalement au sud, à peu près au milieu de la carte. Au sud de la Grèce et à l'ouest de la Crète précisément, et au sud de l'île, sur l'île de Cythère. Donc, elle se trouve juste ici. On est au niveau 43, c'est normalement le niveau, on va dire, idéal pour la tuer. Donc, on va aller repérer déjà si elle n'est pas accompagnée. Pas l'air d'avoir grand monde. Bon, visiblement, elle est toute seule. Par contre, ouais, elle arrive directement à gros instant. Hein. Ah, elle rigole. Rapide quand même, hein, le bestiole. On va l'amener plus au centre. Waouh! C'était pas loin. Ok, bon, là, c'était carrément. C'est mal ça. Hein. Oh bah on lui fait des dégâts dis donc. Non 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 non. Elle voulait m'attaquer. Faut vraiment que je sois plus réactif. Ouais, ou juste parce qu'elle est trop rapide. Allez, terminé. La hyène de Crocotte, Crotte-Crotta, là. On parle plus. Bon, bah, ça c'est fait. Elle avait aucune chance, la pauvre. Aucune chance. Il arrête pas de la regarder. Arrête de la regarder. Je sais prendre une photo, mais il arrête pas de regarder le corps comme s'il était choqué. Mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Accès dans la tête. Bah, ça aide pas mal, je pense, comme photo. Bon. Allez, on va aller rendre tout de suite là. Est-ce que j'ai. Ouais, y a le bateau qui est là, donc. Je suis jamais venu. Si, si, si. Je suis jamais venu sur cette île, donc je vais aller prendre les points de. Eh mais. Sans déconner, les mecs qui font ça, c'est. Et à chaque fois, je me fais avoir aussi, je ne pense pas à m'éloigner de la zone avant de tenter de me téléporter. Donc. On va faire le coup environ 20 fois par jour. Hop, on est là. Hop, c'est bon. Finalement, on est en train de débloquer un truc qui va peut-être nous servir à rien, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'était très intéressant, les bêtes là. Parce qu'il est clair qu'en mode normal, le jeu n'est pas très compliqué. Je dirais même qu'il est plus simple que les autres opus où personnellement j'avais un peu galéré sur certains fights. En normal, hein, je me suis jamais amusé à jouer en difficile. Parce que difficile avec 50 heures de jeu sur l'histoire principale, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre. Mais je n'ai clairement pas cette prétention. Mais pourquoi pas? Le tueur d'animaux. Allez, Je suis petite Daphnae alors aujourd'hui. Voilà. T'apporte la peau de hyène. Mais il faut apprendre à voir la beauté. Tu as raison, ce n'est qu'un animal. Comme nous le faisons tous. Je reviendrai quand j'aurai d'autres peaux. Je reviendrai quand j'aurai d'autres peaux. Bon alors. Pourquoi il me parle de flèche? Ok. On a eu ceci.
Ouais, c'est pas ouf quand même. C'est bien parce que c'est une capuche, mais sinon, c'est pas ouf. En revanche, on a le truc de pirate là. Est-ce que je sais pas si j'ai l'ensemble complet de pirates. Non, je pense pas. Peut-être pas sur moi en tout cas. Non, à mon avis, je l'ai pas du tout. Pirate. Qui en galère avec des trucs qui n'ont rien à voir avec les vidéos. Bon, bref, c'est pas grave, on va le virer. Bon ben voilà, on a eu encore une pièce de stuff, un monstre éliminé. Ils ont pour moi de vous dire à dans la prochaine et dernière vidéo, donc qui sera certainement la dernière vidéo des maîtresses d'Artemis, en tout cas des filles d'Artemis, on va pas dire de conneries. Je crois que c'est les filles d'Artemis. Voilà. Les filles d'Artémis, la chasse des déesses. Waouh! Alors, entre-temps, je vais aussi faire quelques cours d'orthophoniste, ce qui me permettra de mieux parler. Ok. Bon, bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher le petit com et le pouce bleu, même si c'est pourri. Hein, un pouce rouge, c'est au moins une réaction, parce que sinon, ça fait un peu chier de faire des vidéos dans le vent. Ah! Allez, à plus!